Salut à tous, aujourd'hui je vais réparer encore une tondeuse, que j'en ai encore plein à réparer, donc on va en chercher une. Prendre la Honda Easy. Alors pourquoi j'ai racheté ça? Tout simplement que je tombais sur un lot plein de tondeuses comme t'as vu. Donc ça fait en tout 5, 9 euros la tondeuse. Donc si les carters sont morts, c'est des Honda qui est dessus. Et si les carters sont bons, c'est des Briggs. Donc, comme ça moi ça me fait des moteurs. Et si les carters qui sont morts comme ça, j'ai tout démarré chez le gars. Et les moteurs, je suis sûr qu'ils démarrent. Qui tient rond, je sais pas, mais qui démarre. Donc ce carter a été bien bouffé par la rouille hein, partout. Pourquoi? Parce que le gars, avant, je le nettoyais jamais. Là, tu vois que c'est... tout transpercé, tout est pourri. Je sais pas s'il y a de l'essence là-dedans. Ça va, elles sont correctes, mais c'est pas encore ça. Je sais pas s'il y a de filtre à air, je sais pas s'il y a de l'huile. Ce que je sais juste, c'est que ça démarre. On a une traction là-dessus sur la Honda. Cache-culbuteur n'est pas enfoncé. Le pot il est un poil rouillé, mais ça va. On a encore la poignée d'origine avec la corde d'origine. On a un tout petit peu d'huile propre, date 2004. En bon état hein, pour le moteur. Il manque une roue à l'avant, mais ça, je m'en fous vu que j'ai pas besoin du carter. On a l'accélérateur qui fonctionne avec le starter. Frein moteur, il est cassé. Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça. Elle marche, donc on a déjà une courroie. Alors, on va regarder le dessous. Hop. Donc, on a bah de la rouille. Hein. Pas besoin de te faire un dessin. On a de la rouille, on a une lame bien soufflante qui ira sur la mienne. Une courroie qui a pas l'air mal. Moteur, il fait pas au niveau du joint speed, donc ça c'est bon. On a plus de bavette à les découper. Mais autrement, on a une traction, on a des trois roues. En fait, on a tout ce qu'il faut sauf le carter. Mon but de là, en fait, c'est vraiment de tous les carters qui sont pourris, démonter les moteurs, les accessoires et les mettre dans un coin. Ça me prend de la place dehors. Ça sert pas à grand chose de se comme ça. Donc, je vais te poser, puis on démonte tout ça au pétard. Donc on gagne une belle lame en bon état. Voilà. Que tu fais? Tu revisses un petit peu ta vis à la main. Et là, extracteur. Donc là les vis elles viennent. Avant de tout débloquer, on va enlever le câble d'accélérateur. Le câble il est là, tu dévisses le tournevis cruciforme, après tu enlèves le petit Z. Là-dessus, il n'y a rien de plus simple. Dévisser entièrement, hein. Tu perdras pas beaucoup de temps. Tac, et le petit Z. Voilà. Après, tu remets ton petit maintien dessus. Donc voilà, en moins de 13 minutes, ce que tu arrives à faire.
L'arbre, c'est du 22 ou du 25, je pense du 25. Mais bon, on est en bon état. Alors, toujours, filtre à air vers le haut. Comme s'il n'y a plus de filtre à air. Donc voilà, ça fait un moteur en plus. Et on va démonter le reste encore. On va juste laisser le carter et les poubelles. Le reste, je stocke. Ça reste du Honda. Hein, faut pas oublier ça. Elle n'a jamais été nettoyée au Karcher ni à l'eau parce que voilà, c'est. L'étiquette est encore nickel. 2004. Donc c'est une. Ah, c'est pas une Easy. Je pensais que c'était une Easy, c'est une Honda. Honda. Bon, pas marqué ce que c'est comme Honda. C'est une Honda déjà. Voilà. Donc on va démonter le guidon, ça fera du point en moins. Là-dessus, un peu simple. Comme les papillons sont en bon état encore. Après tu dégages la pâte. Maintenant, on va déconnecter le câble de la traction et on pourra virer le guidon. Bon, j'ai arrêté de filmer parce que ça m'a énervé. Le boîtier de traction est complètement grippé. Tous les circlips, tout ça, lapin, c'est pas bon. Enfin, bref. J'ai récupéré tout sauf la traction et le carter. Donc, une lame, trois roues, un moteur qui tourne. Et bon, après, niveau déchets, un petit tas de rouille. Puis le reste. Ça va partir à la jaille. Bon, ben, je fais ça c'est avec une autre tondeuse que tu vas voir la semaine prochaine. Et puis, abonne-toi et à plus pour d'autres vidéos.